Salut tout le monde, c'est votre KMS3. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Straf Jam. Donc, cette fois-ci, c'est 15 Straf Jam. Donc, je suis désolé pour ceux qui voulaient une compilation. Il n'y en a pas assez sur la MaBrush, mais j'en trouverai d'autres, je pense. Donc, il vous suffit de faire un Straf Jam. Donc, je vais vous montrer avec le mode studio en troisième personne, enfin en mode libre. Regardez, vous devez Straf Jumper. Si tout a bien marché, vous allez arriver là. Et vous pouvez aller encore aller là. Donc, voilà, c'est assez intéressant. J'ai oublié dans la vidéo d'aller là, donc là où je vous montre, mais vous pouvez, pour protéger la bombe B ou A, je sais plus c'est laquelle, c'est A, ouais. Donc voilà, c'est un glitch assez facile, donc je vous remontre comment strafe jumper. Donc en fait, le strafe jump, c'est quand vous avancez du côté, enfin vous allez voir, regardez, vous mettez bien au fond déjà, attendez, regardez, vous mettez bien au fond là. Comme ça, hop, et vous devez faire, vous devez avancer d'un côté, mais pas celui-là où vous voulez y aller, excusez-moi. Et au dernier moment, vous devez sauter en fait, et vous allez voir que vous allez atterrir ici. Donc c'est assez dur à expliquer et dur à faire en même temps, mais une fois que vous avez la technique, c'est très simple. Hop, donc vous voyez que c'est vraiment des strafe jumps qu'il faut, sinon ça va pas marcher. Regardez mon collègue, il en a essayé plein, il n'arrivait pas parce que il avait pas la manette bien pour strafe jumper ou je sais plus quoi. Donc voilà, et ben merci à la glitching community. Excusez-moi si vous m'uploadez. Moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Bye tout le monde.